Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue ce soir, cet après-midi sur le plateau de Puzzle. Nous allons commencer la table ronde dans le cadre de l'exposition Hiatus. L'exposition Hiatus est un co-commissariat du Centre Jacques Brel et de Puzzle. C'est une exposition qui est visible actuellement dans les murs de Puzzle et qui traite de l'art et des nouvelles technologies. En effet, les artistes, depuis toujours, sont inspirés par la science et le progrès. Mais aussi, ça va dans l'autre sens également, ils peuvent être précurseurs, leurs recherches et leurs démarches artistiques peuvent inspirer la science et le progrès. Donc, ce soir, nous allons accueillir des enseignants et des artistes. Je suis d'ailleurs ce soir avec Jackie Elvegotte, qui est adjoint à la culture de la ville de Thionville. Bonjour Jackie. Bonjour Emmanuel. Par rapport à cette thématique de l'art et des nouvelles technologies, nous allons nous concentrer sur l'intelligence artificielle qui est diffusée dans notre quotidien aujourd'hui et avec laquelle de nombreux artistes travaillent actuellement, qui fascine et qui effraie. Donc nous allons répondre à quelques questions avec nos invités de ce soir. Monsieur Elvegotte, est-ce que vous vouliez expliquer quelque chose avant l'arrivée de nos invités? Oui, je vous remercie de me donner la parole. Bonjour à toutes et tous. Je suis présent sur ce plateau pour deux raisons. Enfin, la première qui est l'engagement qui est représenté par l'engagement de la ville de Thionville auprès de bien sûr du secteur culturel, dont je dois dire qu'il est en grande souffrance actuellement, et je m'associe à l'ensemble des personnes de ce secteur, les acteurs culturels, pour leur dire à combien nous comprenons leur douleur, combien nous partageons leur souffrance. Au-delà de l'absence de travail, c'est l'absence de culture qui nous pèse tous, et nous en avons tous besoin. Donc, nous sommes là, nous les soutenons par tous les moyens possibles, et nous sommes impatients de voir le bout du tunnel et de les voir tous, bien entendu, reprendre leurs actions et offrir ces actions, bien entendu, à l'ensemble des jeunes, et en particulier aux Thionvillois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le sujet même de cette exposition que nous réalisons. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des structures sont fermées, que Puzzle est aussi fermée, que cette exposition est en partie virtuelle, c'est-à-dire qu'on va vous permettre de la découvrir, de mieux la comprendre au travers du discours à la fois des chercheurs qui nous accompagnent, des enseignants et des artistes. Et puis, bien entendu, c'est l'homme passionné de culture qui est prêt à poser un certain nombre de questions et pour lequel l'intelligence artificielle reste aussi un questionnement important dans sa démarche parallèle avec ou sans ou contre l'art. Voilà. Merci. Merci. Donc, nous allons accueillir maintenant sur le plateau Olivier Ageron, qui est enseignant à l'école d'art de Nancy, et Barthes Lamirois, qui est professeur d'informatique à l'université de Reims. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Hop, un de chaque côté. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je ne sais pas dans quel ordre vous pouvez vous présenter et expliquer un peu votre travail. Vas-y Olivier, vas-y. Bonsoir, alors moi je suis enseignant à l'école d'art de Nancy. Je suis enseignant plutôt spécialisé dans une approche numérique et puis aussi des problématiques liées autour du jeu vidéo. Et c'est vrai que sur Nancy, on a une petite particularité, c'est-à-dire que l'école d'art est installée sur un campus depuis 5-6 ans, un campus qui vient de sortir de terre, qui est tout neuf, qui est vraiment superbe. Et notre école est associée à deux autres écoles, à l'école des mines de Nancy, qui est une école d'ingénieurs civils, et l'ICN Business School, qui est une école de commerce et de management. Et depuis une vingtaine d'années, on a un certain nombre d'actions en commun avec
avec ces trois écoles. Et moi, ce qui m'intéresse plus pour ma partie et mes problématiques de recherche, c'est véritablement le lien entre l'art et la science et d'essayer de mettre en place un certain nombre d'ateliers en commun pour pouvoir réfléchir sur ces deux pratiques. Voilà, pour un petit peu présenter ce que je fais. Donc moi, je suis professeur à l'Université de Reims, mais ce n'est que depuis cette année que j'y travaille à l'IUT de Reims. Avant, j'étais effectivement aussi à Nancy enseignant en informatique à l'École des Mines et sur le campus Artem. Et par ce biais-là, du fait aussi que mes thématiques de recherche sont très fortement liées à tout ce qui est analyse de données, apprentissage automatique, ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle, et par la présence sur le campus, j'ai pu développer avec mes étudiants pas mal de projets en lien transversal dans le domaine culturel, par exemple. Et aussi, donc, Olivier et moi, nous animons ensemble un cours sur Artem qui travaille et qui réfléchit avec les étudiants autour de l'impact du numérique en général sur la société et l'intelligence artificielle en particulier qui aborde. Merci. Est-ce que Olivier ou Bart, vous pouvez évoquer un projet, quelque chose de concret sur lequel vous avez travaillé rapidement pour donner une idée concrète de projet au public? Moi, je peux en évoquer un. Ça fait depuis plusieurs années que, du côté de ma recherche, j'ai travaillé avec un laboratoire de recherche à l'École d'art, qui est l'ANRT, l'Atelier national de recherche en typographie, où nous avons mis en œuvre des outils d'intelligence artificielle, des outils informatiques qui permettent à des chercheurs plutôt en recherche design de formes graphiques de travailler sur des documents anciens pour essayer de comprendre quelles ont été les prémices de la conception typographique des formes des lettres au début de l'imprimerie et comment cela a pu inspirer et se prolonger dans la typographie moderne qu'on trouve sur les ordinateurs, dans les éditeurs de texte, par exemple. Oui, merci. Et toi, Olivier, peut-être dire des projets ou moi, je voudrais peut-être insister parce que ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille sur des problématiques comme ça de recherche et surtout de travail qui lie l'art et la technologie en règle générale et le côté scientifique. C'est vrai que ce qui est assez intéressant de voir dans tout le travail qu'on peut mettre en place avec nos étudiants, c'est l'approche qu'ils peuvent en avoir, qui est au départ un peu différente. Et c'est vrai que faire travailler, on va dire, des scientifiques avec des artistes, c'est pas forcément évident, même si tout le monde parle en français au début. En tous les cas, on n'a pas véritablement le même langage. Et ce qu'on fait avec mon collègue Bart, c'est que depuis des années, on essaye justement de faire réfléchir les étudiants sur une sorte de base en commun. Et pour ça, on remonte relativement loin, que ce soit justement à la manière de vivre ensemble en société. Et à partir de la philosophie, plutôt d'une approche sociologique, où on essaye de travailler sur ces problématiques qui lient l'art et la science. Ce n'est pas toujours facile, mais l'expérience nous montre que là, ça fait quand même pas mal d'années que ça marche plutôt bien. Et on est vraiment satisfait de ça. C'est une réelle richesse pour les étudiants de pouvoir commencer à travailler ensemble, on va dire, dès le plus jeune âge et dès leurs études. Choses qui seront amenées à faire après dans la vie professionnelle aussi. Ça, c'est ce qui est extrêmement intéressant. Et est-ce que vous remarquez qu'il y a plus d'étudiants qui souhaitent travailler avec l'intelligence artificielle, par exemple? Il y a une augmentation ces dernières années? Alors, l'intelligence artificielle, c'est encore un peu particulier, parce que pour le moment, ce qu'il faut déjà, c'est faire preuve de pédagogie par rapport à l'intelligence artificielle, expliquer ce que c'est, à quoi ça pourrait servir. Pour l'instant, je trouve encore que dans la société, c'est encore assez timide l'approche sur l'intelligence artificielle. Et on n'en a pas encore véritablement d'exemple sur ça. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à fasciner, à intéresser, mais c'est encore un champ qui reste, moi je trouve, complètement exploité.
À exploiter. À exploiter, oui. Ouais. À exploiter et à explorer. Il y a encore beaucoup de fantasmes et d'incompréhension par rapport à ces technologies-là. Et même les scientifiques qui s'y intéressent de façon très, très approfondie, on en découvre encore à la fois des limitations, des possibilités. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'évoquait Olivier, c'est le fait que différents utilisateurs ou différentes populations peuvent avoir des langages très différents et du coup aborder ces technologies de façon très très différente. Un des projets sur lequel je travaille actuellement avec plein de gens et notamment avec un certain nombre d'étudiants, c'est autour de comment l'intelligence artificielle peut, en quelque sorte, je fais très attention à utiliser les mots, il faut mettre des guillemets un peu partout, s'approprier une œuvre et quelque part la transformer, la pervertir, pour ensuite la nourrir de nouveau la créativité humaine de l'artiste qui va ensuite recevoir cette modification faite par une intelligence artificielle pour ensuite à nouveau être dans un processus créatif différent. Et donc il y a une anecdote que je peux évoquer qui est très illustratrice, où on avait à un moment donné une réunion de travail et on évoquait le fait que des artistes peuvent exploiter finalement des comportements étranges ou non prévus des algorithmes pour créer quelque chose de nouveau. Et on avait dit à un moment donné, ce logiciel-là avait un bug, puis le bug a été exploité par l'artiste pour créer quelque chose de nouveau. Et l'étudiant, une étudiante en l'occurrence qui était dans cette réunion-là, qui était informaticien, tout d'un coup se trouvait choqué. C'est pas possible. On ne peut pas, en tant que scientifique, admettre qu'il y ait des bugs dans des logiciels qu'on va exploiter. Et donc, on fait confronter comme ça des mondes qui sont d'un côté très cartésien, très mathématique, très scientifique, avec le côté très créatif, innovatif et parfois décalé de la création. Et là, on a un jeu de ping-pong qui s'engage, qui parfois peut même être un dialogue de sourds, mais qui peut enrichir les deux communautés. Oui, c'est intéressant. Donc du coup, on va pouvoir rebondir là-dessus en accueillant, je pense, deux artistes qui travaillent avec des ingénieurs et les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Donc Philippe Villas-Boas et Barthélémy Antoine Leuf qui vont nous rejoindre sur le plateau. Qui ont chacun une œuvre exposée en ce moment dans l'exposition Hiatus à Puzzle. Donc bienvenue. Je vous laisse vous présenter comme l'ont fait nos précédents invités. Et puis après, on fera tous ensemble une discussion autour de l'art et de l'intelligence artificielle. Donc comme vous voulez. Je m'appelle Philippe Villas-Boas. J'ai une pratique artistique qui s'intéresse au numérique en général comme objet, mais de plus en plus comme sujet. Et l'intelligence artificielle en est un, puisque pour moi, elle est l'incarnation, disons, de cette automatisation de nos fonctions cognitives croissantes dans la société. Et comme ça a été un peu dit juste avant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore en grande exploration, qui est source à la fois de joie potentielle, mais aussi d'inquiétude. Et voilà, cette dualité, cette cristallisation de deux émotions totalement opposées, moi, m'intéresse particulièrement. J'essaie de l'exploiter dans mon travail, en tout cas en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Oui, merci. Donc moi, je m'appelle Barthélémy Antoine Louf, je suis plasticien. J'ai été aussi réalisateur de documentaires autour des questions environnementales et animalières. Et mon travail de plasticien explore un peu près les mêmes questionnements autour de l'environnement, on va dire ça de manière très, très large, avec un point de vue plus resserré aujourd'hui sur la question de la disparition de la cryosphère, donc les glaces qui nous environnent, qui sont un fabuleux thermostat en fait, et donc en fait qui est tout simplement en train de complètement disparaître. Et une question sous-jacente qui est vraiment liée à la question de la technologie et de l'utilisation de la technologie dans la réparation du climat.
Est-ce qu'il faut utiliser des technologies pour réparer le climat? Est-ce qu'on peut réparer le climat en utilisant des technologies? Qu'est-ce que ça pose comme question? Et notamment là, dans Puzzle, l'œuvre qui s'appelle « Ce qui disparaît se transforme immédiatement en éternité » pose la question de la réparation du climat en utilisant des algorithmes génétiques, un algorithme génétique, pour essayer de trouver l'iceberg qui mettra un certain temps à fondre. Alors évidemment, c'est ironique et c'est un prototype d'iceberg. On ne prétend pas forcément réparer le climat avec ça, mais en tout cas, poser une question éthique derrière. Oui, alors est-ce que l'un de vous a une petite anecdote à nous raconter par rapport à son travail artistique et peut-être une incompréhension avec un ingénieur, avec des personnes, des scientifiques ou un intérêt particulier peut-être Philippe. Oui, une anecdote qui me vient en tête. C'était lors d'une résidence en Ardèche, dans une ville, une petite localité qui s'appelle Mars, qui possède un magnifique club d'astronomie. Donc j'en avais profité pour faire un coucou à Elon à ce moment-là, en étant arrivé le premier. Et donc j'étais là-bas pour une résidence artistique au sein d'un observatoire astronomique pour réaliser des tests sur une installation qui s'appelle l'Astrophone, où en fait j'ai remplacé les cartons perforés des orques de Barbarie par des photographies de la Voie lactée. Donc j'ai une partie mécanique pure et une partie algorithmique avec une intelligence artificielle qui sonifie les ondes, la lumière des étoiles. Donc ça fait à peu près 2 ans que je tourne avec et à l'époque je voulais faire une résidence et rencontrer des astronomes pour essayer de voir si finalement on pouvait pas travailler ensemble à adapter le dispositif pour faire en sorte que la musique ne soit plus de l'astrophotographie préenregistrée mais potentiellement lue en live et donc de jouer l'installation vraiment en temps réel depuis le lieu sur Terre où on se trouve avec la partie de la Voie lactée qu'on peut qu'on peut observer d'où on se trouve. Et en fait, à ce moment-là, l'équipe d'astronomes n'était absolument pas équipée pour passer à cette phase de test-là. Moi non plus, en termes de programmation, finalement, je n'avais pas les moyens de le faire. Et on a mis de côté le projet. On a mis de côté, disons, l'aspect purement informatique et la collaboration qui était censée naître pendant cette résidence. Et on a fait quelque chose de très simple. Ils m'ont décrit point par point leur métier. Ils m'ont appris à manipuler leur télescope de 600 mm. J'ai été formé, en fait, comme ils forment tous les membres du club d'astronomie. C'était vraiment un télescope magnifique, très grand, automatisable, enfin automatisé. Ils faisaient de la spectrogrammétrie à l'époque, donc ils analysaient pendant 6-8 heures l'image d'un objet céleste, et avec cette analyse, ils en tiraient des conclusions sur la composition et l'activité. Et donc, au final, ce qu'on a fait là, moi, j'ai trouvé ça assez édifiant, parce que leur métier, j'ai compris que c'était de passer du temps à éliminer les biais. Ils refroidissent au maximum leur capteur pour avoir un minimum de bruit. Une fois qu'ils ont les données, ils doivent encore en fait retravailler. J'accélère un petit peu, mais ils ont plein de. Leur travail n'est que élimination de biais. Et du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est fou parce que les data scientists aujourd'hui qui travaillent en intelligence artificielle travaillent justement à la construction et à l'architecture des modèles. Mais travaillent moins ou commencent à peine à travailler sur justement l'élimination des biais. Et je me suis dit, il faudrait que tous les data scientists aillent faire un petit stage d'astronomie, parce que du coup, ça donnera des idées, en fait, potentiellement de process, ou en tout cas peut-être aussi un peu d'humilité, peut-être, par rapport à ce qu'on peut produire avec un instrument technique. Et voilà, c'était ça mon anecdote. Pardon, j'étais un peu long. D'accord, non, mais il n'y a pas de problème, merci. Et vous, Barthélémy, vous avez peut-être quelque chose à nous raconter C'est sur un projet sur lequel je travaille actuellement, donc ça va être c'est presque une anecdote qui est en cours. Ma prochaine installation pose un certain nombre de questions autour de l'exploitation de l'Antarctique et de la réparation d'un Antarctique fictionnel. Et je suis allé voir des chercheurs, donc à l'URAVI, qui
qui travaille donc plutôt dans le génie frigorifique, donc pas exactement l'intelligence artificielle. Mais en discutant avec eux de mon projet d'installation, je me suis rendu compte qu'on était à peu près sur les mêmes terrains d'imaginaire et les mêmes terrains d'exploitation de cet imaginaire-là. Et on est arrivé à une conclusion assez simple qui était plutôt que d'essayer de réparer finalement le sol d'un Antarctique en train de fondre en posant des tubes frigorifiques comme ça se fait en Alaska, on pouvait peut-être envisager d'introduire à l'intérieur de la glace un procédé chimique pour essayer d'améliorer finalement la résistance de cet iceberg-là. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est presque un fantasme finalement de gamin de mon côté de dire tiens, on va faire le petit chimiste, finalement la géo-ingénierie à très grande échelle. Et j'ai été confronté du coup à cette image du laboratoire qui est pour moi quelque chose de très sérieux, qui s'est dit on va essayer peut-être de trouver un additif finalement à cette fameuse glace et qui allait me servir moi dans ma fiction et qui était par extension ou par rebond quelque chose qui va leur servir à eux, puisque jusqu'à présent on ne maîtrise la chaîne du froid que en maîtrisant les conditions qui créent du froid, qui permettent d'obtenir du froid. Et là c'était de maîtriser tel quel le procédé frigorifique de la glace même en ajoutant une matière à l'intérieur pour l'empêcher de fondre. Et il y avait quelque chose d'assez amusant dans cette rencontre-là, puisque à la fois la recherche que moi je menais sur ces questions autour de la réparation du climat, qui relevait vraiment de la fiction et d'une question éthique pour moi, et donc qui n'avait pas de but autre que de poser ces questions-là, était devenu pour eux un réel enjeu de recherche, mais pour des besoins spécifiques liés au laboratoire qui leur permettaient ensuite de développer d'autres projets. Voilà. Ouais, c'est super quand ça se passe comme ça. Je vois, Olivier, que vous hochez la tête. Oui, vraiment, parce que même quand on travaille avec les étudiants, ce type d'approche arrive souvent parce que, donc, comme on vous l'a expliqué, on a des étudiants de 3 écoles différentes, donc vraiment des scientifiques, plutôt des managers et puis des artistes. Et assez souvent, de par leur formation universitaire, le manager et le scientifique, ils ont des habitudes de travail qui sont hyper formatées et hyper rapides. Et on leur soumet une question et tout de suite, ils commencent à bosser chacun de leur côté, paf, 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 et ça démarre et le projet est déjà sur les rails. Et par contre, on a notre étudiant en école d'art qui arrive là-dessus, dans l'équipe, et puis qui pose une question toute con, genre, mais super, mais les gars, ça sert à quoi? Et là, en fin de compte, il y a plein d'autres questions qui découlent de ce « et là, ça sert à quoi ?» Et d'une certaine manière, c'est un peu comme ça qu'on travaille, parce qu'ils remettent tout à plat, tout à zéro, pour pouvoir travailler sur une autre approche du truc. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Je trouve qu'on voit apparaître une génération de plasticiens, d'artistes, qui sont extrêmement proches du milieu scientifique. C'est quelque chose de neuf qui n'existait pas avant et qui arrive en quantité plus importante. Mais si on allait un petit peu plus loin, comment vous expliquez finalement cet attrait, en particulier puisque le sujet est au niveau de l'intelligence artificielle de la plupart des artistes? Ça ne concerne pas uniquement que les plasticiens. Il y a de la musique qui sort actuellement, il y a des images qui sortent bien entendu aussi. Donc on voit finalement un grand nombre d'artistes travailler avec de l'intelligence artificielle, obtenir des résultats même. On n'en est plus à l'expérimentation, quoique c'est une expérimentation permanente, mais obtenir des résultats. Et qu'est-ce qui fait que le milieu artistique, les artistes, le milieu culturel s'intéressent de plus en plus aux moyens proposés? Alors, grande question qu'on verra après, sera peut-être la deuxième partie, c'est est-ce que c'est un moyen, est-ce que c'est la muse ou est-ce que c'est un outil? On en parlera certainement après, mais moi je suis assez surpris de voir qu'effectivement les artistes sont de plus en plus intéressés par l'intelligence artificielle. Alors, si je peux me permettre, alors, loin de moi la prétention de m'y connaître en art et en histoire de l'art, il y a des gens ici qui sont bien plus calés que moi. Je pense que c'est tout à fait naturel. Je pense que l'artiste, de façon générale, s'est toujours positionné dans son temps avec les outils qu'il avait à sa disposition. Et quand les peintres de la Renaissance découvrent des assemblages de pigments qui leur permettent de faire des choses, ou quand on peint sur les grottes de Lascaux avec de l'ocre, c'est finalement la technologie de l'époque qui se transforme en outil
Et ce qui était dit tout à l'heure, c'est un questionnement, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de nos jours crée cette ambivalence très forte entre une crainte d'une dérive et un dépassement de notre humanité par une puissance plus forte, qui pourrait être cette hyper-intelligence, mais tout en étant aussi un possible vivier énorme de nouveaux développements extraordinaires et très, très positifs pour l'humanité. Et je pense que la position de l'artiste est de questionner ça, de le manipuler, de le travailler. Et donc, c'est voilà, le temps qu'il le veut et l'outil qui est là. Enfin, ça, c'est mon opinion. Je ne sais pas si... Non, mais c'est intéressant. Je compléterai. J'abonde totalement dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on vit dans un milieu, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, de plus en plus technicisé. Donc, fatalement, notre attention aussi, qu'on soit artiste ou pas, se tourne vers la question technique, la question de l'objet technique, la question du progrès et de sa promesse, la question de l'innovation, qui est une question... on fait campagne pour les présidentielles là-dessus, quand même, dans cette époque. Il y a vraiment plus qu'un goût, il y a une tendance profonde de nos sociétés contemporaines occidentales à croire en ce progrès technique et à son imaginaire. Et pour répondre plus précisément à cette question, parce que je la trouve intéressante, c'est-à-dire, mais au fait, oui, d'accord, on est dans un monde de plus en plus technicisé, mais au fond, pourquoi les artistes s'intéressent autant à ça? Pour moi, une partie de la réponse, en tout cas, se trouve dans ce mythe que d'ailleurs j'essaye de mettre en scène avec l'installation qui est présentée ici, qui s'appelle The Punishment. Et ce mythe, c'est un vieux mythe aussi vieux que l'humanité. C'est le mythe de la créature qui échappe au créateur. Et pourquoi l'intelligence artificielle, finalement, vient le réveiller à ce point? Eh bien, de mon point de vue, c'est justement parce qu'elle... Elle prend racine dans cette histoire qui veut que finalement à chaque fois que l'humanité se crée un nouvel objet, un nouveau golem, elle finit toujours par se sentir déséquilibrée, mise en danger par sa propre création. Or, les machines, les objets techniques sont nos enfants d'une certaine façon. On pourrait même les qualifier de typiquement humains et non pas de machines. Puisque c'est nous qui les avons produits. Ce qui me permet d'une certaine façon d'écarter cette bataille qu'on nous resserre tout le temps autour de l'opposition homme-machine. Faux problème. J'ai vraiment l'impression que ce qui est au cœur du débat dans l'intelligence artificielle, c'est vraiment à la fois ce qu'on arrive à faire et ce qu'on arrive à ne pas faire. Et je trouve aussi intéressant peut-être d'aborder ce qu'on ne fait pas avec l'intelligence artificielle. Parce qu'au final, c'est ce qui définit peut-être un peu mieux ce que nous, les humains, faisons. Et ce qui me permet aussi d'évoquer aussi les promesses longuement tenues par beaucoup d'acteurs économiques autour de l'intelligence artificielle qui nous vendent ce rêve d'automatisation, en fait, mais qui n'est pas là. Alors certes, il y a des avancées assez spectaculaires dans l'apprentissage supervisé en particulier, mais je dis que le rêve n'est pas là parce que quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, quand une entreprise nous vend de l'intelligence artificielle, la plupart du temps, quand on creuse, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a en général beaucoup d'hommes mal payés et beaucoup d'hommes mal payés pas dans le même pays. Donc on assiste là finalement à une transformation totale de notre dispositif économique qui fait qu'on nous vend un rêve d'automatisation totale, alors qu'en réalité, ce qui se passe derrière le rideau, c'est vraiment pas joli. Donc je crois que c'est aussi intéressant parfois de décaler le sujet, de se dire, ah mais en intelligence artificielle, oui, on explore, mais et c'est ce que j'essaye à ma petite échelle de faire aussi, c'est-à-dire la technique nous est tellement vendue comme finalement la solution à tous nos problèmes que
que j'ai l'impression que souvent, en fait, il nous faudrait moins de techniques, beaucoup moins de techniques, et peut-être revenir même aux technologies qu'on a laissées de côté au 18e. Et je trouve ça assez drôle d'ailleurs qu'aujourd'hui, on cherche à revenir au mix énergétique qu'on avait dans le 18e siècle, c'est-à-dire à plus d'eau, plus de vent, etc., alors qu'aujourd'hui, il est totalement déséquilibré. Mais je m'arrête là parce que je digresse. Quelqu'un veut rebondir sur ce que vient de dire Philippe ? Moi, je vais rebondir tout de même. C'est un sujet qui est passionnant. On en revient à votre anecdote, à votre événement. Finalement, cette singularité qui est apparue, alors, est-ce qu'elle est maîtrisable ? Vous faisiez marque de confiance en l'intelligence artificielle, disons que c'est pas le... C'est vrai qu'on l'explore, on est encore au début. Mais je veux dire que l'apparition de ces singularités peuvent représenter un certain danger, tout de même. C'est effectivement la question qui est souvent posée. Est-ce que c'est... l'un va prendre le pas sur l'autre. Alors, je voudrais bien avoir votre avis sur votre sentiment à la fois de scientifique et d'artiste sur le risque que peut représenter finalement l'apparition de ces singularités. De ces singularités, comment qui pourrait provoquer un danger pour l'homme vis-à-vis des machines, c'est ça? Oui ou non, qui pourraient. C'est-à-dire, ces singularités sont des phénomènes différents qui apparaissent, qui peuvent être positifs, mais ils pourraient aussi devenir effectivement un réel danger pour l'être humain. Mais après, l'intelligence artificielle, en fin de compte, on en fait ce qu'on en veut, parce que c'est à l'homme de programmer l'intelligence artificielle. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas forcément de danger, ça dépend comment les programmer. Après, moi, ce que je trouve plutôt sain, c'est que justement les artistes s'emparent de ces questions-là et qu'elles ne soient pas forcément laissées, comme ça peut l'être, on va dire, à un certain nombre de grandes sociétés multinationales, genre des GAFAM, qui sont en train de travailler sur l'intelligence artificielle en ce moment. Et c'est les choses qu'on nous promet, qu'on nous prédit et qu'on nous vend. Mais justement, le fait que d'autres... personnes comme les artistes s'intéressent à ces questionnements-là, je trouve qu'il y a quelque chose, une sorte de réaction assez saine de l'humain par rapport à ce que peut être l'intelligence artificielle. Mais enfin, moi, je trouve qu'il y a, pour le coup, je veux dire, on n'est pas non plus dans des dystopies où, justement, qui viennent de la science-fiction, du danger des machines par rapport à l'humain. Vu que c'est l'humain qui programme les machines, il n'y a pas de souci. Reste à savoir comment est-ce qu'on les programme. Ça, c'est autre chose. Donc, vous avez, vous, une parfaite confiance en l'évolution de la situation? Confiance en l'homme, oui. L'être humain, parce que, du coup. Ouais, confiance en l'homme, ouais, bien sûr. Mais il y a toujours cette crainte, juste, je voulais dire, c'est vrai que quand il y a une nouvelle technologie, on a l'impression qu'elle va faire disparaître, en fait, quelque chose, mais ça n'arrive jamais, finalement. Ça n'arrive jamais. La peinture, elle est encore là aujourd'hui et elle dialogue. Donc, en fait, plus on avance dans les découvertes, plus on avance dans le progrès, plus le choix est large, en fait. Et c'est passionnant pour les artistes de naviguer, en fait, parmi tous ces choix-là. J'allais rajouter un truc. En fait, tu as exactement... j'allais plus ou moins prendre le même biais que toi, donc c'est très bien. Et c'est marrant que tu aies terminé avec ces formes de films de science-fiction dystopiques. Je pense aussi que voilà, notre imaginaire aujourd'hui d'humain est nourri par une certaine forme de science-fiction. On a tous en tête Terminator et compagnie. Qui sont évidemment, qui représentent une certaine forme de singularité de la machine qui a repris le pas sur l'être humain. Mais je crois que nous, notre place d'artiste aujourd'hui, c'est alors questionner évidemment l'utilisation de ces fameuses technologies, notamment l'emploi de ces technologies par les GAFAM, comme tu le disais très justement. Aussi par rapport au fait qu'on nous vende demain la Smart City qui va permettre d'atteindre une certaine sobriété énergétique. Un certain fonctionnement, on va dire, plus sain de la société. Et je crois que nous, notre place d'artiste aujourd'hui, c'est aussi d'être des faiseurs de récits, on va dire, alternatifs. C'est-à-dire que pour contrer tout cet imaginaire, soit très utopique de la Smart City ou très dystopique de cette singularité de la machine qui va... écraser tout être vivant, tout humain sur la planète. Nous, notre place à nous aujourd'hui, c'est d'entrevoir en fait des futurs possibles, probables, autres,
avec ou sans intelligence artificielle, avec ou sans technologie. Mais voilà, nous, notre place, elle est peut-être à cet endroit-là, justement, de ces questions sur la technologie. Enfin, je vois le regard de Philippe, mais... Oui, non, mais peut-être... Non, mais je ne peux être que plus d'accord. Enfin, c'est... Je pense que... Alors, on a parlé de dystopie, de littérature, de cinéma. Je pense que ce serait une grande erreur de considérer ça que comme des histoires racontées. Quand on regarde, si on relit la littérature science-fiction des années 50, 60, il y a des artistes, ou si on regarde aussi les dystopies au cinéma, il y a des gens des artistes qui ont poussé un raisonnement au bout et qui sont allés vraiment au bout d'un raisonnement, dire mais qu'est-ce qui se passerait si. Et je pense que c'est extrêmement éclairant. L'art et le rôle de l'artiste, c'est justement d'amener l'homme à réfléchir dans des situations qui... le train-train quotidien ou l'optimisation économique ou scientifique ne se pose pas. Et je rebondis sur quelque chose qu'Olivier avait évoqué un peu plus tôt dans nos équipes d'étudiants qui regroupent donc les trois écoles, école de commerce, école d'ingénieur et école d'art. Très, très, très souvent, j'allais presque dire, c'est presque systématiquement, quand on a des projets comme ça avec nos équipes. Alors, les équipes sont souvent un peu déséquilibrées. Il y a toujours beaucoup moins d'étudiants d'école d'art parce qu'il y a moins d'étudiants et beaucoup plus d'ingénieurs et d'écoles de commerce. Et souvent, quand ils ont des projets, les deux, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, ils ont une consigne, ils ont une optimisation, ils foncent, ils sont efficaces, ils abattent du travail, tac, 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 ça va bien. Et souvent, les étudiants d'école d'art, ils sont un peu en retrait. Ils ne rentrent pas dans ce jeu-là. On se demande s'ils sont en train de rêver. Et puis tout d'un coup, Olivier disait tout à l'heure à quoi ça sert. C'est même pas ça. Parfois, l'étudiant arrive et il prend l'objet, virtuellement. Et souvent, il se dit, mais qu'est-ce qui se passerait si... Après, il y a des points de suspension. Et souvent, ça jette un blanc. Et la réaction souvent est de dire « Ah oui, mais tu as raison. Qu'est-ce qui se passerait si ?» Et je pense que là, cette articulation, elle est fondamentale. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Et c'est ça qui rend confiant dans ce genre de enfin, ou peu, qui peut rendre confiant dans l'avenir de l'humanité. Enfin, je pourrais continuer encore longtemps, mais je vais peut-être laisser la parole aux collègues autour. Non, mais je vais continuer. Je pense que la critique, elle est essentielle. Moi, je pense que c'est important d'ajouter les virgules, de raturer les mots ou de trouver les mots justes quand un texte ne plaît pas ou quand une utilisation d'une certaine technologie peut nous sembler abusive, excessive. De l'autre côté, pied gauche, pied droit, j'aime bien dire, c'est intéressant. Et nous, artistes, avec les scientifiques ou sans, mais on a la possibilité, finalement, on a une place assez sympathique, je trouve, qui est une place de chercheur, qui est une place de pleine de potentialités. Et ces potentialités, du coup, c'est vrai qu'on, par rapport à l'intelligence artificielle, mais on a envie de la détourner, quoi. On a envie de chercher d'autres buts que le but marchand. Il y a pas plus tard que, je crois que c'était il y a 2 ans, je voyais une université à Bologne qui fanfaronnait sur Twitter en disant c'est génial, on a développé un algorithme de pricing. Donc le pricing, c'est donner un prix à un service ou un produit sur Internet. Mais ce prix et ce service, en fait, on ne paye jamais le même prix puisque selon les données que les data brokers possèdent sur nous, mais ce prix va varier. Et l'Université de Bologne disait qu'ils avaient travaillé un algorithme qui était capable de partager des informations avec un autre algorithme de pricing si jamais ils se rencontraient quelque part sur Internet, et que les deux algorithmes pouvaient profiter de la connaissance des bases de chacun d'eux.
Et je me suis dit, bah, c'est vraiment génial, ça, dis donc. L'argent public est dépensé pour servir uniquement le marchand. Enfin, je reviens là-dessus, mais je trouve qu'on est à une époque, en fait, où il faudrait essayer de se servir des moyens qu'on a pour servir le bien public, c'est-à-dire avant de servir le marchand. J'ai envie de prendre un exemple qui tout récent sur la question de la fermeture des musées et des lieux culturels en général. Les musées, j'ai l'impression, se sont beaucoup pensés cette dernière année encore comme des contenants et pas comme des contenus. Alors, on souffre tous de ne pas pouvoir aller admirer la victoire de Samothrace, bien sûr, ou la Joconde, mais j'aurais aimé voir plus de musées se dire, mais eh bien, il faut qu'on réfléchisse à l'ouverture de nos données, il faut qu'on rende accessibles ces trésors dont on nous a donné la gestion, parce que c'est un bien public et que malgré tout, ça aurait pu circuler. Donc, c'est en tout cas une envie personnelle, envie de travailler ces questions de donnons d'autres buts, donnons-nous d'autres horizons que celui de la dystopie, parce qu'effectivement, en fait, à force de travailler le même horizon, eh ben, on y va. Il n'y a aucun doute là-dessus, quoi. Donc travaillons des horizons dans lesquels on a envie d'avoir des enfants. Enfin, c'est ça l'idée. Merci. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot pour un petit dernier mot pour conclure? On est déjà dans une certaine forme de ces horizons, malheureusement, comme tu. Enfin, voilà. C'est. Je rebondis juste sur une petite chose. Tu disais le bien public. Je trouve aussi que c'est quelque chose de très important de garder ces notions-là en tête. Et j'ai été assez frappé, c'est une autre anecdote du coup, d'un laboratoire avec lequel je travaille, où j'ai appris que beaucoup des financements finalement de ce laboratoire-là, qui est le CNRS, venaient d'une boîte privée qui s'appelle Thales, donc l'armement. Et que le chercheur, en l'occurrence, qui avait eu cette fameuse bourse de la part de Thales, était devenu, en quelque sorte, celui qui pouvait faire ses recherches tranquillement pendant un certain temps, puisqu'il avait l'argent pour pouvoir faire ses recherches, et que l'essentiel de sa recherche, qui était bien fondée, c'est sa recherche personnelle, un certain nombre de ces éléments issus de cette recherche-là, la substance même, aller servir à Thales pour pouvoir améliorer la qualité de ses missiles dans la stratosphère. Donc il y a quelque chose aussi de... Enfin là, on a complètement dérivé par rapport à l'intelligence artificielle, mais il y a quelque chose de justement, quel futur on veut et comment est-ce qu'on veut se projeter dedans. Pour moi, c'est indépendamment des questions d'intelligence artificielle, c'est juste aussi comment, et je reviens sur la question du récit qui pour moi est très forte, comment est-ce qu'on invente des nouveaux récits à partir de ce qu'on a aujourd'hui et quel est notre rôle, nous, d'artistes, quel est notre rôle de chercheur, quel est notre rôle de professeur, justement pour transmettre finalement ces besoins de récits et de futurs alternatifs en conciliant tout le monde, puisque malheureusement, on a déjà une part qui est déjà soumise à des algorithmes, on a déjà une part qui est déjà soumise à un certain nombre de bouleversements climatiques, on a déjà une part qui est soumise à la notation sociale et compagnie. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour amener ces questions-là sur la table et se faire surtout précepteur auprès d'un grand public? Des visions plus singulières. Peut-être. Non, moi je ne sais pas. Ouais, peut-être pour conclure, quand même, rester un petit peu optimiste, parce qu'on ne veut pas non plus déprimer tout le monde. Hein, ce n'est pas quand même le propos. Mais je pense, oui, avoir foi en l'homme. Et puis ce que tu as dit, Philippe, aussi, qui était intéressant sur justement l'ouverture des données et des datas et être sur des solutions plus open source, sur ce genre de choses. Oui, ça pourrait être une solution et une optique à envisager pour les intelligences artificielles et qui pourrait être assez intéressante et pas forcément garder que ça de manière marchande sur des entreprises privées ou d'armement ou d'analyse de data des GAFAM et autres. Ouais. Mais moi, je suis optimiste. Ouais, non, j'ai confiance en l'homme. On va s'en sortir quand même. Très bien. Vous vouliez dire quelque chose aussi? Je ne sais pas, je pourrais... Je pense que... Je sais, mais allez-y. Mais... non, enfin, il y a plein de choses qui ont été dites sur lesquelles je pourrais rebondir.
Je pense que oui, il faut que la société et les citoyens s'en accaparent. Et l'ouverture des données et l'ouverture des algorithmes, l'open source en fait partie. Je me rappelle d'une. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pour quand même avoir une petite note pessimiste, mais qui ouvre sur de l'optimisme, c'est que actuellement. Les capacités de développement des algorithmes en intelligence artificielle qui sont à la pointe du progrès demandent des capacités des ressources extraordinaires, des quantités de données phénoménales. Et il n'y a qu'une petite poignée d'opérateurs dans le monde qui sont capables de le faire. Et la poignée des opérateurs dans le monde, c'est rarement des États, c'est plutôt des grandes entreprises. Ce qui fait qu'il y a un glissement du développement scientifique et de la connaissance et de la maîtrise de ces outils-là, qui est en train de glisser des mains du bien public et de la recherche publique, par exemple, vers des intérêts privés. Ce n'est pas forcément négatif. Hein. L'existence d'Internet, dont on peut plus passer aujourd'hui, et qui est une liberté d'expression assez extraordinaire aussi, vient quand même de la recherche militaire aussi, donc il faut relativiser des choses. Mais donc, il y a besoin que la société et le citoyen se les accaparent. Ça passe par de l'éducation, ça passe par de la volonté politique, mais ça passe aussi par du financement, et donc qui dit financement dit intérêt économique quelque part. Ouais, ça passe aussi par la culture technique qu'on a souvent regardée comme... le rejeton non assumé de la culture générale. Et je pense que c'est ça aussi qui est en jeu. C'est-à-dire que plus on sait de quoi il s'agit, plus on sait de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, plus on sait que ce mot, en fait, en français en plus, résonne mal, plus on est tranquille aussi. Mais maintenant, tu as raison sur ce glissement de la sphère publique à la sphère privée. Et c'est vrai que en tant qu'État et même en tant que même au niveau supranational, on n'est pas équipé. Hein. Alors on arrive de temps en temps à les limiter un petit peu, mais c'est une vraie problématique et qui donnera lieu à d'autres tables rondes, je pense. Mais je trouve que moi je vais dire un petit mot tout de même avant de vous laisser Emmanuel conclure. D'abord, on assiste à quelque chose de très différent. Il y a cette notion de transversalité, c'est intéressant. On a abordé des problèmes scientifiques, on a abordé des problèmes artistiques, on a abordé des problèmes environnementaux, et on a vu que tout ceci fait un tout maintenant, et que c'est indissociable. On n'a plus cette sectorisation qu'on avait avant. Bon, on faisait un commentaire sur une exposition classique, mythique, avec des toiles, et puis voilà, ça touchait un petit nombre de gens, et on n'évoquait pas tous ces problèmes. Alors que maintenant, on sent très bien, au travers de votre discours, que tout est interdépendant. Ça, c'est vraiment un élément différent et qui est en train de se passer maintenant. Et je crois que c'est extrêmement intéressant qu'on aille plus loin et qu'on en parle encore et qu'on partage mieux encore toutes ces facettes différentes que vous avez tous abordées. Moi, je suis extrêmement content. Et puis, rassurez-vous, je suis très, très optimiste aussi. Je fais confiance en l'homme. Mais il était normal que je vous pose quelques petites questions pour répondre aussi à l'intérêt des gens. Parce que je crois que vis-à-vis du public, il faut se mettre aussi du côté du public qui, lui, voit l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est Asimov. Et puis, c'est d'autres choses aussi. C'est Terminator. Pour nous, génération précédente, c'était Asimov. Pour la génération suivante, c'est Terminator. Mais ça pose tout de même un certain nombre de questions. Vous avez parlé du golem. J'aurais dû parler du golem avant, parce que c'était bien avant aussi. Donc il y a une chronologie de questionnement, tout de même de la société sur tous ces mécanismes. C'est important de l'entendre votre bouche aussi. Le mythe est vieux, et on le retrouve y compris dans la Genèse, jusque dans la civilisation babylonienne. En fait, depuis qu'on a commencé... Voilà, ben très bien, je vous remercie beaucoup. En tout cas, on va terminer sur cette note d'optimisme. Ayons foi en l'homme et en le futur. Nous vous retrouvons bien sûr sur le plateau de Puzzle pour d'autres rencontres. Merci de nous avoir suivis et merci à tous les invités, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à moi. Merci à vous de nous avoir invités.